que moi quand je ne te vois pas pendant plus d'un mois. Je ne sais plus où je vais, moi. C'est plus fort que moi, je cherche la défaite. C'est plus fort que moi, j'aime l'humiliation et les contraintes. Je perds le désir de faire quoi que ce soit. Appelons ça des pressions, appelons ça des missions. Tout devient sombre, tout devient sombre, tout devient sombre. Appelons ça des pressions, appelons ça des missions. Tout devient sombre, tout devient sombre, tout devient sombre. C'est plus fort que moi, je comprends tout à l'envers. Oui, je cherche à me perdre ou encore à sombrer. C'est plus fort que moi, une fois de plus, je vais devenir l'ombre de ce que j'étais ce matin dans la lumière. Appelons ça des pressions, appelons ça des missions. Tout devient sombre, tout devient sombre, tout devient sombre. Appelons ça des pressions, appelons ça des missions. Tout devient sombre, tout devient sombre. Devient sombre, tout devient sombre. Appelons ça des pressions, appelons ça des missions. Tout devient sombre, tout devient sombre, tout devient sombre. Appelons ça des pressions, appelons ça des missions. Tout devient sombre, tout devient sombre, tout devient sombre. Appelons ça des pressions, appelons ça des missions. Tout devient sombre, tout devient sombre, tout devient sombre. Appelons ça des pressions, appelons ça des missions. Tout devient sombre, tout devient sombre, tout devient sombre. Un symptôme de liberté, cette espèce de liberté actuelle, la liberté aveugle. Et consommatrice, mais en somme, avoir un gros chien, quand on est un jeune homme, ou une jeune femme peut-être, pour ne pas être seul, c'est déjà... de défaite, c'est déjà un avis de défaite. Si nous étions si libres, nous n'aurions même pas besoin de chiens pour remplacer notre homme, peut-être notre femme, ou même quelqu'un d'autre. Pour remplacer quoi? C'est déjà un avis de défaite, c'est déjà un avis de défaite. C'est déjà un avis de défaite, c'est déjà un avis de défaite. C'est déjà un avis de défaite, c'est déjà un avis de défaite. En somme, avoir un gros chien, c'est déjà un avis de défaite. Mais en somme, avoir un gros chien, c'est déjà un avis de défaite. Mais en somme, avoir un gros chien, c'est déjà un avis de défaite. Mais en somme, avoir un gros chien, c'est déjà un avis de défaite.
le désir va et vient, se cache derrière les arrêts d'autobus, sous certaines lampes qui s'allument et s'éteignent, sous certains cils. Le bruit des rues va et vient, se cache sur le visage d'une jeune femme muette qui tient une pancarte dans ses bras avec des mots qu'on ne comprend pas dessus. On ne cherche plus à comprendre, on lit des livres pour savoir que le désir va et vient. Comme le bruit des rues, comme le bruit des rues,
ça l'approche du vide. Parfois la jalousie vous vide comme un sac. C'est de ça que je voulais parler ici. C'est ça que je connais. La jalousie n'existe pas, pas plus que l'amour ou la joie. Ce n'est qu'un mot, que le titre, que le résumé, l'orteil, le petit doigt. D'un corps composé de milliards d'éléments très différents. Moi, je voulais parler de la jalousie de la Vierge Marie. Cette jalousie qui vous rend figé et glacé comme la Vierge Marie. C'est une insulte à la personne qu'on aime que d'être la Vierge Marie. Vierge Marie, voilà c'est tout. Et bonne nuit. Thank you.
de nos goûts. Fin d'après-midi, sucré. Passer sous les arbres, tout cela bon pour les égaux. Télévision. Elle me dit non mais t'es vraiment con, tout ça c'est du bidon. La vraie subversion n'est pas à la télé, pas à la télévision, pas à la télévision. Décidément, ma copine a des idées compliquées. Je ne sais vraiment pas où ça va s'arrêter. Enfin, pourrait-elle un peu m'expliquer le fond de sa pensée? Je suis déprimé.
subversion. C'est pas une carrière. La télé c'est une barrière pour l'improvisation et la méditation. Et la méditation. Maintenant, la manière est devenue tout. Au fond, le fond n'a plus d'importance. À la télévision, les gens deviennent des personnes souriantes, sans jambes, sans fesses, sans trou du cul, sans vis. D'ailleurs, ils ne sentent rien. Avant, le fond justifiait la forme. Maintenant, la forme nous déforme. On nous fait croire qu'on nous informe. Elle me dit, les médias voudraient se nourrir. Alors je te le dis. La vraie subversion microscopique, elle est dans nos vies, microcosmiques. La vraie subversion microscopique, elle est dans nos vies, microcosmiques. La déesse média veut vraiment avoir tout à sa botte. Elle s'accapare l'art et le sport, la mort et la vie, les sourires et les choses intimes. Thank you.
Décidément, les centres commerciaux sont des lieux de rencontre et d'échange. Décidément, les centres commerciaux sont des lieux de rencontre et d'échange. D'une certaine manière, manger de la merde à une petite table en faux marbre. Et regardez les autres qui font la même chose que vous. Les autres encore qui vont et viennent et achètent. C'est là que l'on se sent vraiment humain. Aujourd'hui comme hier, il neige sur les trottoirs de la ville. Raison de plus pour se terrer dans un centre commercial au niveau le plus bas. Le niveau métro, cochonnerie diverses et bouffe. C'est là que l'on se sent vraiment humain. C'est-à-dire consommateur. Dans la rue, on ne se serre plus la main, on se tourne le dos. Nous ne sommes pas aujourd'hui en démocratie, mais plutôt dans une sorte de monarchie individuelle, universelle et infinie. Change office at the price of £3.
vieille fille. Et lorsqu'on lui rend visite, il faut faire des efforts pour ne pas être terrassé par sa mauvaise humeur. Le corps devient mou, les mains moites, les oreilles sifflent. C'est l'ennui qui pointe son nez. Ma ville est triste, comme toutes ces grand-mères qui espionnent à leurs fenêtres la vie des gens pour savoir précisément si un tel ou un tel, ça lui gratte entre les jambes. À travers les rideaux me parviennent la vision devenue floue et les couleurs fades. Chaque année, le 8 mai, la ville livre une fille docile, fille de bonne famille, pour incarner la pucelle. Mais souvent, elle n'est pucelle qu'on croit. Un ami à moi avait déjà pris la fleur de l'une d'elles. Ma ville est triste, comme une fête foraine, quand il pleut et que l'on veut partir. Ma ville est triste, comme une vieille fille, l'âge se lit sur son visage. Elle essaye de m'embrasser, mais je dois la repousser. Un jour où on rencontre certaines limites, chaque jour c'est quelque chose qu'on quitte. Alors le soir on remplit des bars avec des serveuses aux yeux qui tournent comme des boussoles. On a tous du vague à l'âme dans ce genre d'endroit, ça doit être pour ça qu'elle cherche. Des chaussures en daim, on prend un café pas cher au coin, et puis on s'assied sur un banc pour regarder ce qu'on a acheté, un petit porte-clés boussole et un ticket de loterie. On a tous du vague à l'âme dans ce genre d'endroit, ça doit être pour ça qu'on achète des petits porte-clés boussole en solde, ça doit être pour on s'y retrouve un peu. On prend un véhicule pour le week-end, notre esprit est tassé comme notre corps au fond de cette voiture qui fait de drôles de bruit. On a tous le vague à l'âme où qu'on aille, ça doit être pour ça du lac et on repart. On fait le tour du lac et on repart. On a tous le vague à l'âme où qu'on soit, ça doit